artiste singulier qui expose au château d'Asnières avec le collectif des Excités des Arts. Je m'appelle Marker. Je présente un projet qui s'appelle L'Homme Total. Je présente une première installation à la porte même de l'exposition qui nous indique ne pas entrer. No entry et do not cross, accompagné d'un feu tricolore avec des indications qui ne sont pas courantes dans notre information quotidienne. Le rouge, il dit go, le vert, c'est stop, et au milieu, il y a une troisième possibilité, que c'est utiliser votre cerveau pour résoudre les problèmes. Cette couleur jaune, c'est signalé avec une lettre A, celle qu'utilisent les anarchistes, parce que l'anarchie, ce n'est pas un concept mauvais. D'après moi, c'est quelque chose qui nous invite à ne pas avoir trop de règles et surtout penser aux autres. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le concept de l'homme total? L'homme total, c'est mon concept, c'est mon projet. Eric Fromm nous en parle. Il nous parle aussi d'être ou avoir. Et nous sommes en plein dedans. Et du côté d'avoir, on oublie d'être, et ça paraît évident. Et ça peut paraître évident à tout le monde, mais nous pensons toujours à avoir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis telle chose. Et on ne dit jamais je suis heureux, je cherche à vivre chaque jour. La vie tout simplement. Non, je suis quelque chose. Nous trouvons une installation qui nous invite à entrer. Donc je vous invite à entrer. Essayez, c'est l'adopter. Rentrez, et vous rentrez, et vous fermez la porte. Dedans, on se sent accueilli par une belle chaleur de lumière noire qui fait ressortir des éléments qui sont indispensables aujourd'hui pour vivre. N'est pas entré. Pourquoi n'est pas entré? Si je vous ai invité à l'exposition, il y a des gens qui passeront et d'autres qui resteront. C'est à chacun de voir où est-ce qu'on veut aller. C'est nous qui décidons. Une fois que vous êtes entré, l'exposition vous propose des installations. La première, elle est concentré spécialement sur le thème de l'aliénation, dans lequel une prison avec la porte ouverte nous accueille, avec une lumière et bien chaude maternelle. Et vous vous sentez bien, avec tout le confort qu'aujourd'hui nous impose notre société. Vous trouvez du nucléaire ou tous les produits du pétrole. Et toute l'énergie produite, elle nous fait bien dépenser notre argent à acheter tous ces produits avec lesquels nous ne pouvons pas nous en passer aujourd'hui. Rien ne change. Nous cherchons à rester dans notre confort, tout en signalant qu'il existe nos problèmes, et les cercles vicieux restent en route perpétuelle. L'être humain est aliéné, même si on ne le reconnaît pas, même si on veut trouver des excuses à chaque fois que quelqu'un signale quelque chose. Sur le thème, on dit « non, c'est pas moi, si, chacun de nous ». D'une façon ou d'une autre, si nous prenons notre responsabilité sur nous-mêmes, nous sommes des êtres humains aliénés et on ne voit pas les solutions parce qu'on tourne en rond. On est toujours dans le cercle vicieux et on ne trouve pas les solutions parce qu'on ne les fait pas.
parce qu'on est conformiste et on reste dans notre confort. L'homme est aliéné et il se rend compte et il ne sort pas de son cercle vicieux. Nous sommes capables de beaucoup de choses, mais nous restons toujours circonscrits à nos propres problèmes que nous créons. L'homme aliéné, nous sommes, même si on ne pense pas, on dit les autres. Mais nous sommes les autres. Voilà, tout est là. Faire, transformer, c'est la façon que j'ai fait mon art. Merci Marc. Merci Patrick. Et à très bientôt. À très bientôt.